Ça en fait YouTube, je suis Scoob et je suis content de vous retrouver pour un petit let's play sur Super Meat Boy Forever. Parce que sachez qu'actuellement, le jeu est à 9,99$. Je crois qu'il est à 15, il est à 19,99$. Je crois qu'en France, il est à 15,99$. Et du coup, c'est bête, mais vous pouvez l'avoir, parce que là on a des bons de 10 euros, donc vous pouvez l'avoir pour 5,99 €. Je veux dire, pas là que c'est que dalle pour ce que c'est. This is Meat Boy. Il était tellement attendu ce jeu. This is Bandage Girl. And this, well, this is Nugget. Their little bundle of joy. Oh. This is Dr. Fetus. He's not a real doctor. Wow. One day, while our heroes were enjoying life, Dr. Fetus attacked them! Quelle violence! And kidnapped Nugget! When our heroes came to, and couldn't find Nugget? They knew what they had to do. Aha! Bon, je vais voir les settings pour vous montrer vite fait. Sachez que le jeu est en français. Voilà. On peut le mettre en français. Audio, commande et graphisme. Ça monte jusqu'à du 4K. Là, je vous montre quand même. Vous voyez, vous pouvez monter en 4K. Je ne vois pas la différence, donc je vais éviter de surcharger mon PC pour rien, quoi. Pas que pourquoi pas, tiens. Hop. Je veux dire, c'est pas comme si mon PC pouvait pas le faire fonctionner en 4K. J'ai l'impression de voir plus de aliasing à cette résolution-là, mais bon. D'accord, ça génère un monde aléatoire. Ah, ils ont refait la scène en couleur. J'ai adoré le premier Super Meat Boy. Ah, on peut aller où on veut. D'accord. Il y a beaucoup de personnages. Attends, ça court tout seul? Je veux pas me plaindre, mais je m'attendais pas à un Rayman Jungle Run comme jeu. Ça court tout seul. Du coup, c'est pas comme le premier Super Meat Boy. Du coup, sans être méchant, je pense que 10 euros c'est le prix pour le jeu, quoi. Bah, tu vas me dire, faut voir après. Ouch. What? C'est moi qui fais une connerie ou le jeu c'est vraiment en mode
hit and run. Je suis très surpris. Je fais n'importe quoi. En fait, ça l'accélère les coups de poing. Mais merde quoi! C'est ultra hardcore! Je crois en vrai que je commence à comprendre pourquoi ils sont partis sur ce système là. Attends, il y a un bouton échappe pour Ah oui, d'accord. Débile comme jeu. Après, je pense que ils l'ont prévu pour les téléphones mobiles. Bordel, c'est hardcore leur truc. What? Ah oui, d'accord. Mais... Je vous assure que c'est super dur à comprendre pour le cerveau là. Ah ça y est. Mais mais d'où c'est aussi hardcore? Faut se calmer là sur Comment tu remontes, c'est ça que je comprends pas. Ah là, ça y est. Je sais pas pourquoi je l'ai pas senti du tout, tu sais. J'ai senti la couille. Salut Luguette, ça va? Tu te prends des uppercuts? On va retourner à la carte. C'est trois corps.
Ah non, c'est ça, hein. Il n'y a que deux boutons. Sauter et glisser. C'est marrant. Bah écoutez les amis, je pense que ce sera tout pour le moment. Moi je voulais juste tester un peu à quoi ça ressemblait. Je suis un peu déçu d'avoir pris sur PC du coup. Parce que, bon, pour le coup, autant le prendre sur smartphone ou sur Nintendo Switch, je sais pas. Sur ce, moi je vous laisse. Je suis content d'avoir découvert le jeu. J'espère que vous aussi. Je vous dis à ciao les otaku et à bientôt sur otaku.fr. Ciao, bye bye.